Focus, focus. Bonjour tout le monde, Dominique Lamoureux de richezen.com. Bienvenue au jour 13 de mon défi vidéo de 30 jours. J'espère que jusqu'à date, vous avez bien apprécié. Je viens tout juste à l'instant de finir mon yoga. Et dans pas long, je vais sortir à l'extérieur, prendre une marche. Remarque qu'aujourd'hui, il mouille, c'est pas très beau, mais étant donné que mon objectif de 2013, c'est de perdre 20 livres d'ici le mois de juin, je crois que je m'étais donné. On va aller marcher parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais arriver à mon objectif. Donc, à tantôt! OK, j'avoue, aujourd'hui, ça m'a pris particulièrement beaucoup de temps avant de me motiver à sortir dehors. Il mouille, il y a de la pluie. Puis ce qui m'a aidé particulièrement à me motiver, c'est que je me suis mis à m'imaginer, à visualiser mon objectif de perte de poids. Puis je dis, let's go! Hein? Je vous avoue que c'est pas la grosse motivation, là. Mais bon, j'ai appelé Gisèle, une amie, une voisine. Je suis en train de récupérer des données qu'elle avait perdues. Son portable a brisé, tu sais. Puis, elle m'a rappelé que des parapluies, ça existait. Donc, j'ai sorti le parapluie, puis je suis en train de prendre ma marche. C'est vraiment de valeur. À cause de la pluie, il a fallu qu'annuler les courses de chevaux que vous avez vues hier. Là. Mm. Bonjour. Bonjour. Ça a bien été votre fin de semaine? Oui. Oui. Ouais, c'est de valeur pour la pluie, hein? Bon. En arrière-scène, là, je pense que je suis pas supposé être ici, mais je vais vous montrer les trophées qui ont été gagnés en fin de semaine. Si je me souviens bien, il y avait 10 000 $ en bourse à gagner. J'ai parlé avec une des personnes qui est responsable du Weekend Derby. Puis ils m'ont dit qu'ils ont dû annulé parce que c'était rendu trop dangereux pour les chevaux. C'est ça. Fait que ça a l'air de ça. C'est vraiment rendu la boîte de l'eau, de la glace. Très dangereux. Ils sont en train de tout emballer, tout serrer. La fin de semaine est terminée. Je suis rendu à mon spot dans la marche de la côte finalement. Où ce que j'avais pris, où j'ai pris l'habitude d'ouvrir la caméra puis de vous exposer un peu mes pensées. Puis j'étais en train de me dire que les derniers jours, j'ai pris un peu le temps de. J'ai passé comme des petites entrevues, on pourrait dire, avec des commerçants, des gens qui étaient en affaires. Puis j'aimais ça, cette expérience-là. C'est agréable. Je vais probablement en faire d'autres si l'occasion se présente. Puis j'aimerais peut-être ça aussi, dans les temps à venir, faire des entrevues comme ça, mais aussi avec des gens qui ont des sites web ou des blogs. Des sites web ou des blogs à succès. Puis je serais curieux de voir eux autres aussi c'est quoi les qualités qu'ils considèrent importantes pour avoir du succès sur le web. Et aussi un peu c'est quoi leur cheminement. Donc l'autre jour, vous aviez vu Bruce, mon cousin, Sylvain et Grace étaient en train de travailler sur la maison.
Et ce qu'il était en train de faire, c'est des corniches pour empêcher la pluie de rentrer. Donc, c'est ça le beau travail qu'ils ont fait. On va voir si le focus se fait bien. Et on fait ça. C'était vraiment là parce qu'on savait que la pluie s'en venait. Donc, ils ont finalisé ça pour s'assurer que la pluie n'irait pas à l'intérieur. C'est aussi parce que bientôt, ils veulent fermer tout ça pour pouvoir commencer à travailler à l'intérieur. Donc, je suis rendu à la fin de ma marche. Là, on va arrêter voir Gisèle, à qui je dois redonner les données qu'il y avait sur son ordinateur qui est fini. Puis on va aller voir si elle a envie de nous dire un beau bonjour. Bonjour Gisèle! Oh non! C'est pas moi, c'est sur le web! Ah non! Ah. Bonjour Richesen! Yeah! Donc voilà ce qui conclut le jour 13 de mon défi vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message en bas. J'apprécie toujours lire vos commentaires. Et aussi, vous pouvez toujours partager la page sur Facebook et Twitter en appuyant sur un des pitons en bas de page. Aussi, la question du jour. Si vous connaissez un blogueur ou quelqu'un qui a un site web qui réussit à gagner sa vie avec son site, me le faire parvenir en message. Là, en haut, il y a un bouton dans le menu qui s'appelle « Contact ». Donc, vous pouvez m'envoyer un message privé ou ça peut être sur Facebook ou sur Twitter. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Bye bye.